décidé qu'on prenait pas un angle un peu à l'américaine, qui serait une espèce d'incarnation totale de devenir le sosie de Bernard Tapie. Qu'il fallait, c'est prendre les mêmes libertés dans l'interprétation que celles prises dans l'écriture. Et donc, il y a 50% de Tapie et 50% de moi, comme dans le scénario, il y a 50% de faux, 50% de vrai. C'est le même équilibre fiction-réalité. Donc, j'ai juste pris comme base d'interprétation qui avait infusé en moi pendant toutes ces années, moi, spectateur de la vie de Bernard Tapie. Ce que j'avais en tête de sa voix, ce que j'imaginais de son énergie, de sa gestuelle. Voilà. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Il y a des moments où même c'était assez vertigineux, comme au bout de 4 mois de tournage, comme les choses m'échappaient un petit peu, quoi. Il y avait des automatismes qui se mettaient en place et là, il y avait beaucoup de plaisir que les choses se fassent comme ça, presque malgré moi. C'était très agréable.